en ce moment, mais yo, ça va être plein tout à l'heure. Hein. Je trouve sick parce que y a des gens qui vont danser, mais il y a des gens aussi qui peuvent juste chiller parce qu'il va quand même faire 30 degrés Celsius là. Faut respirer. Mais nous, on est à l'ombre, on est bien. Allez, on est arrivé, on s'en va faire un tour de loge. Faut que je monte quand même la loge parce que le stage est en haut, mais notre loge est en dessous. Fait que c'est pretty interesting. Ça, je pense que je vais m'en ramener un chez moi parce qu'ils sont trop cool. Check les divans. Faut que je me ramène ça chez nous, c'est bien trop cosy. Puis je risque de peut-être faire une sieste avant le show parce que. Ben, faut se reposer. Hein. T'es fucking good. Bon, c'est... Je sais pas. Je sais pas si ça va se faire. On va essayer, on va essayer. Quand je suis on stage, en show, y'a pas de... C'est comme, y'a des choses préparées, mais y'a des trucs qui restent vraiment sur le vif. Parce que je dis, est-ce que je descends, est-ce que je descends pas, mais c'est comme un instinct. Je reste très instinctif dans les shows. Enfin, tu sais, j'avais, on va attendre que les danseurs arrivent pour qu'on teste tout le plancher et tout. Mais ça risque de le faire. Y'a personne d'autre qui fait des flips sauf moi. Fait que si je fais un trou, moi, ça va être de ma faute. Salut, bienvenue chez moi. Ok, ouais, je vois. Non, j'allais juste dire que je suis dans du vibe de tout ce qu'il y a en ce moment, genre la pinte forêt pis tout. C'est vraiment fresh. J'aime ça les soundchecks, les gens commençaient à rentrer en même temps. Puis c'était genre, ça l'écoute. Yo, j'ai hâte à ce soir. C'est juste un tease en fait, un soundcheck. Je te dirais que Tommy, c'est vraiment une personne généreuse, une personne très patiente, une personne très ouverte. Ça, c'est les trois qualités qui décrirait petit homme, selon moi. C'est un gars hyper généreux, super gentil, extrêmement professionnel, et puis il n'oublie jamais personne. C'est-à-dire que c'est vraiment un gars d'équipe, puis ça, c'est super appréciable. Tommy, il est beau, il est gentil, puis il est grand. Non, c'est vrai. Humain exceptionnel. Super, cœur super ouvert, toujours là pour les gens, super personne. Sensible, aussi, il s'assure toujours que son équipe est correcte. Tous les gens avec qui il travaille, il peut toujours s'assurer que tout le monde que tout va bien. Il est aussi très facile à travailler avec. Il travaille beaucoup en équipe quand on travaille sur des trucs. Autant que c'est son projet, fait que c'est sa vision, qu'il est toujours prêt à écouter ce que tous les gens de l'équipe disent et prendre ça en considération. Vraiment friendly. Vraiment, vraiment friendly. Je dirais quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit, puis hyper talentueux aussi. Je veux dire, il chante, il danse, il fait des tricks, il fait de la musique. Non, qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore? C'est sa concentration, je pense, dans un premier temps. Ça va être aussi la gestion de son stress. C'est quelqu'un qui est full stressé quand il est avant de monter sur scène, qui perd très vite ses moyens. Puis on travaille, puis c'est à force d'en faire en fait que ça va permettre de pouvoir aller mieux. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il améliore. Puis... Pourtant il est bon, hein, mais il va pratiquer, puis après ça, ça va être encore meilleur que meilleur. Ouais, what's up? Qu'est-ce que tu veux? 130 minutes. Oh, c'est 30 minutes déjà? Ouais, je pense bien. Quand même stressé. Comme chaque show, j'ai un petit stress. J'ai un stress d'oublier les paroles. C'est tout le temps des nouvelles scènes. Fait que c'est tout le temps un peu genre, oh shit, what's gonna happen with this scene? Mais le show est prêt, les gars sont posés, comme tu peux voir. Mais moi, je suis un peu dans dedans, ça shake un peu. Mais j'ai fucking hâte pour que je me contienne un peu l'énergie pour en garder pour le stage.
pas. Depuis j'ai plus peur de la foudre, plus rien à foutre, j'ai trouvé mes amis. Depuis je m'en remets à vous, plus jamais ça me saoule ensemble on se sent lié. Depuis j'ai plus peur de la foudre, plus rien à foutre, j'ai trouvé mes amis. Depuis je m'en remets à vous, plus jamais ça me saoule ensemble on se sent lié. Yo, c'était incroyable, c'était plus que je pensais que ça allait être. Il y avait des gens, ça chantait à la fin, le monde se sont levés, ça a dansé. Et je suis très épuisé là. On dirait qu'avec le soleil, un moment donné, j'avais de la crème solaire, je me suis dit la crème solaire au début. Puis en plein milieu du show, je commençais à avoir de la sueur, man, en fait au début. Et ça coule, les yeux commencent à me piquer tout le long, un moment donné, j'étais comme ça. Et là, j'ai pris un 2 minutes, m'essuie. Et depuis ce temps-là, je suis genre, ouh, je cherche mon énergie. Mais avec le public qu'on a eu, bro, c'était, j'avais même pas osé chercher mon énergie. C'était synergie, genre, c'était ensemble. On était connectés, c'était insane, bro. Insane! C'est sûr que là, on avait un petit stage, fait que j'ai pas pu faire aucun flip. Normalement, je m'éclate sur un stage. J'ai quand même, on a demandé au festival si je pouvais sauter en bas, parce que normalement, on peut pas. Puis on dit oui, fait que j'ai pu sauter en bas. Quand je saute en bas, ça, le monde, ça s'est comme tout réveillé. Fait que de quoi différent, bro, sérieux, la crème solaire, sinon pas grand chose de différent. Les gens étaient hype, les danseurs étaient hype. Benny juste là, il était fucking hype. Dude, non, c'était pretty amazing. Vraiment amazing. Meilleur moment du show, je pense que c'était quand. Je pense que c'est la fin, mec. Quand j'ai sauté et que tout le monde était debout et on passait, tu me suivais, ouais. On passait à travers les gens, tout le monde était hype, j'avais même pas besoin de chanter, yo, que c'était genre énergique. Je pense que c'est mon moment préféré au point que je voulais pas m'en aller. Tu sais, on finit là, puis c'est comme, hey, bah, c'était super le fun, vous êtes debout, enjoy. Au moins, il y a Caraba après qui était là pour mettre le feu. Mais, ah, oh, man, à refaire. J'ai déjà hâte de revenir, Saint-Jean. Montgolfière, prochaine fois, gros stage. Prochaine fois, on est là. Prochaine fois, on est là. Et je veux tous mes alliés, toutes vous, mes frères, mes potes, ensemble, là-bas. Soit en coulisses, soit sur le stage, soit en avant, je m'en fous, mais je veux tout vous voir. Alors quand ça va se passer, on y sera. Petit homme, we out!